beaucoup d'argent, c'est Glenn Miller. Glenn Miller, lui, a fait sa marque avec des pièces formatées qui laissaient peu de place à l'improvisation. C'est pour ça que les critiques de jazz et les puristes ne l'aimaient pas beaucoup. Par contre, le grand public, lui, y capotait. Avec des pièces comme In the Mood, on peut dire que c'était vraiment une toune, un hit. Il était au sommet de sa carrière pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est en 1942 qu'il a joint l'armée américaine et a été nommé capitaine. Pendant une tournée en France, en 1944, son avion a disparu au-dessus de la Manche pendant une tempête et son corps n'a jamais été retrouvé. Voici le grand ensemble jazz de Saint-Eustache qui joue pour vous un fantôme avec un pot-pourri de chansons en hommage à Glenn Miller.
Juste avant la prochaine pièce, on tient. Bon, évidemment, c'est la fête des mères aujourd'hui, alors j'en profite à souhaiter bonne fête à toutes les mamans ici, y compris à Sandrine, qui attend notre troisième bébé, qui va être bientôt maman pour la troisième fois. Et oui, ben oui, ben oui, ben oui. Et c'est également la fête de Pierre ce soir. Oui, où est-il, Pierre? Pierre! Pierre qui fête ses 32 ans ce soir. Avec intérêt sur Capital, bien sûr. Et Pierre qui va nous chanter New York, New York tantôt. On va accueillir encore une fois la succulente Stéphanie dans une pièce de Billie Holiday qui a été connue tant pour son